Nouvel an malagasy célébré avec faste. La veille de la célébration du Nouvel An malagasy s'est déroulée sous la pluie hier soir. Cela n'a pas empêché les Malgaches de fêter l'événement. Et chose incroyable, l'Aftsmat, ou la flamme éternelle, a été fidèle à sa vocation. Elle ne s'est pas éteinte. Même sans chapiteau pour la protéger, l'Aftsmat a continué à brûler. Cela signifie beaucoup de choses, à l'image de la pluie d'hier qui a marqué la grâce et la bénédiction de Dieu, a expliqué le professeur Andrzej Mbluliniv. Le Nouvel An malagasy symbolise la présentation et les échanges de vœux de tout un chacun et de la nation également pour cette nouvelle année 2017. Le professeur Andrzej Mbluliniv, durant son allocution, a sollicité l'enchaînement du Fiavanana malagasy et du Fan Meza Kasna. La journée d'aujourd'hui a été marquée par une bénédiction au Fafram ce matin, suivie du Tatao, au partage de riz cuit au lait et arrosé de miel. Une série de discours des autorités a été au programme. Notons que diverses festivités ont marqué la célébration. Dimanche 26 mars dernier, l'ouverture a été marquée par une célébration religieuse au temple FJKM d'Amboujabib, suivie de l'allumage de la flamme éternelle au Aftsmat le lundi, le port des lampions pour les enfants durant la soirée et un grand réveillon durant la nuit du 27 mars.